Compatriotes haïtiens frères et sœurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 2 juillet 2024. Déjà, m'a souhaité un très bon mardi. M'a dit bienvenue sur plateforme parlante TAC 509 tout haïtien connecté. Une émission mon éditorial avec Yannick, n'a continué pour tes informations pour vous. N'a continué brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé actualité. Non moment n'a parlé à la compatriotes haïtiens frères et sœurs, situation extrêmement compliquée pour nouveau et déjà la police Ramon Ormil qui non situation Tom and Jerry attaque sourite avec coalition gang vive ensemble. Après un pile stratégie, un pile manœuvre que la police utilisait hier pour arriver récupérer commissariat Gracia en bas mes bandits, eh bien ça pour rien bandits yo décidé yo même yo pral attaqué pour une autre fois encore et sous commissariat Saint-Charles la nuit 1er juillet pour lever matin là et bien nèg exam yo débarqué là dans commune Gafou yo pillé commissariat Saint-Charles yo metté du feu et puis yo viré do yo allé donc là n'a comprendre que nouveau DG la police Ramon Ormil li gen bagay nan men li e situation li extrêmement compliquée. Donc nan moment la gen an pile gros réflexion ka fait puisque nan question pays zafè politique pour changer pays il pas ka zafè zanmi li pa ka zafè fami c'est zafè moun ki compétent moun ki capable moun ki conscient pour rive délivrer marchandise. Et bien pendant moment côté que bandi a défié autorité l'état a marché sous la police bandi a fait policier courir tout ça prend commissariat prend sous commissariat boule détruit bien l'état. Et bien premier ministre Garry Conille li nan tête yon délégation côté nan moment n'a parlé à la yon nan pays États-Unis il y a plusieurs rencontres et qui a fait qui t'en met déjà premier ministre li rencontré avec des personnalités importantes dans pays États-Unis et j'en a constaté là et Garry Conille li gen tan négociant 40 millions de dollars américains et nommé bid pour Haïti pour ensemble de projets et je remercie la Banque interaméricaine de développement pour son engagement envers Haïti et la mise à disposition de 40 millions de dollars pour cette année. Nous allons revoir le portefeuille pour l'aligner aux nouvelles priorités avant les élections et co-organiser avec d'autres partenaires une grande réunion de mobilisation de financement pour Haïti avec la participation du secteur privé. Et non seulement Garry Conille rencontré et partenaire BID, l'y rencontré et partenaire Banque mondiale également côté que et dans délégation ça qui gagne ministre économie et finance qui gagne gouverneur banque centrale m'a parlé de BRH qui gagne et chef cabinet li Nespi Manigan qui gagne également ministre affaires étrangères la madame Dominique Dupuis et bien yo deux yo a multiplié contact yo a multiplié entretien pour yo garder comment yo ka retourner à qui ça yo ka retourner dans pays d'Haïti. Mais je dis en là compatriote haïtien frère Sam nous pral gagne une émission tout à fait particulière. Parce que mal tombé sous yon texte là, yon zami qui partage yon texte avec moi qui est extrêmement intéressant. Et à travers texte là, li pral permet nous comprendre véritablement parcours premier ministre Garry Conille pour vin tombé là et nan moment n'a traversé situation difficile ça. Qui ça nous ka tire de bon, qui ça nous ka joindre de bon, est-ce que gen bagay nous ka espérer? Est-ce que gen bagay nou ka espérer nan moment là puisque Garry Conille li même li dit pou l chita pale ak gang pou l ta chita pale ak bandi fòk premier bagay fòk bandi yo ta déposé zam ou et deuxième bagay reconnaître autorité l'état même moun ki sensé nan équipe premier ministre Garry Conille à travers conseil présidentiel transition yo même yo rete kwèt premier bagay Garry Conille ta supposé fait ta droit faire rapide pressé c'est chita dialoguer avec tout malfrat tout bandit tout nèg exam yo. Donc là déjà pouvoir politique là gen gros division gen pile débat ka fait véritablement c'est qui ça premier ministre Garry Conille ta fait ta supposé faire dans moment et c'est pas moment pour n'a faire diversion c'est pas moment pour n'a faire tractation mais c'est moment pour n'a poser vrai problème pays. Compatriotes haïtiens frères sœurs, n'a commencé émission avec information si là et j'en a constaté là
Et semble bagay yo pas fin trop bon dans mes président conseil Edgar Leblanc fils. Et côté président lui-même li obligé et depuis pas son semaine là, li pas mette pied dans villa d'accueil, li pas mette point pied dans bureau. Qui ça bagay lan ye? Et nous gagnons journaliste Roman Estamdi qui lui-même matin li rapporté et nouvelle là côté que dans bureau Edgar Leblanc fils, eh bien moun yo al fon mascarade, al fon macacri. Qui est-ce qui fait? Yo pas ka di qui est-ce qui fait. Qui ça Edgar Leblanc fils li jwenn dans bureau, li jwenn un paquet zandolit et puis li jwenn un petit poudre yo simé sous chaise côté le bral chita. Bah, la flou. Nous connaît coutume nous. Depuis nous wè bagay, nous wè petit poudre là, nous getan connaît son bagay qui fait. Nous getan connaît son macacri au fait. Et bien dans sens ça, Edgar Leblanc fils était obligé rapide vite relé DCPJ pour DCPJ vinn fourer bouche dans cause ya. Côté que DCPJ enquêteur DCPJ était obligé yo même yo interroger femme de ménage yo moun ka fait propreté pour yo connaît comment ça se fait, comment président fait jeune paquet zandolit sa yo et dans bureau comment yo fait mettre poudre sous chaise et président qui sa bagaille. Donc Edgar Leblanc fils sont gens sont-ils paniqué. Donc m'a demandé nous lever président CPA dans la prière nous parce que et ben elle a pas fait le bien du tout. Il pas connaît si c'est d'air manger ou d'air manger, si c'est douce ou d'air faire douce. Mais président li joine un petit macacri au mettre sous chaise et dans bureau dans villa d'accueil. Donc compatriotes haïtiens et frères sœurs, nous connaît, c'est ça haïtien, c'est coutume nous. C'est coutume nous, c'est comme ça bagaille. Et n'avancer compatriotes haïtiens et frères sœurs moi et dossier bois calé et gagné là gagné deux présumés bandits et parmi eux gagné cousin chef gang 400 Marozoa et l'homme sans jour et bien li gon cousin là suivant information qui rive joindre nous et bien yo ta bay mouché à bois calé et yo fè le parler avant yo bal bois calé malheureusement image sensible bois calé za yo et nous pas là dedans nous même. Nous parlons d'ailleurs, mais nous pral faire regarder et vidéo côté que vous tap interrogé, vous tap fait le parler et vous tap posé quelques petites questions. Vous êtes obligé de les petits bouboutes, vous êtes obligé de les madame ni pour dire maintenant qui ça le prend et vous a fait le parler, etc. etc. Donc, nous pral regarder ensemble avec moi. Le dossier, regardez, vous allez voir le coup. Qu'est-ce que vous posez? Voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, et nous pas ka wè sa k'ap vin après yo parce que après c'est blay tout long. Donc yo pas même quitté le relais madame nan encore. Yo tout mette fin nan vili, yo tout krasé sa plate et krasé tèt li. Donc yo présenté le comme cousin et l'homme sans jour et kap dirige gang 400 Marozo. Donc situation li compliqué, li très compliqué. Côté gagné dans plusieurs localités, en pile bois calé commencé, en pile bois calé tanmen là. C'est pas ti causé qui gagné et nan moment n'a pas lire. Et n'avancé compatriotes haïtiens frères sœurs, Haïti insécurité, Haïti gang et bandi ont continué et a simaye la troublaille. On nous garder ensemble avec moi une vidéo extrêmement intéressante. Une vidéo extrêmement intéressante pour nous côté que et Guiwewe lui-même li ta fonti parler avec paysan et bay perception pal partager point de vue pal et par rapport avec États-Unis pou ki sa jounen jodi an la gè kèk décision nou wè États-Unis vraiment yo a impliqué yo ladan tankou Garikoni pendant li États-Unis li rencontré avec John Feiner li rencontré avec
Mr. Fainer, eh bien, citoyen ça qui est le Fainer, à compatriote haïtien frère, il faut qu'on connaît et qui est c'est John Fainer. John Fainer, il est conseiller adjoint à la sécurité nationale aux États-Unis. Rencontré Gary Conny, rencontré avec lui en discussion duré près de 45 minutes. Yo abordé Gary Conny, yo posé Gary Conny question sous question sous dossier élection. Gary Conny lui dit, il déclarait qu'il voulait avoir un compte rendu sur comment on avance avec ce dossier. Je suis certain que dans les prochains jours, le CEP sera formé par le Conseil présidentiel de transition, a fait savoir le Premier ministre Gary Conny. Donc États-Unis vraiment impliqué dans ensemble de dossiers dans moment là, des séries de dossiers qui sensibles pour nous mais qui prioritaires pour États-Unis. Pour qui raison, pour qui motif, qui ça qui gagne derrière. Donc on nous attendait ensemble avec moi et perception point de vue qui wewe et sous comment le comprendre ça qu'a fait dans pays en dans moment là et surtout avec États-Unis. On a c'est comme son petit monde qui a plein grand global maïs moi je maï ou qui tout là va manger. A dit aussi, bon, et ça en fait nous la blague. Ah! T'as fait le fait ça. C'est puis qu'on y a là nous-mêmes, nous pensons que le pays va le bon. Non, mon cher, le pays va le bon. C'est seulement si nous mettons tête ensemble. Mais j'en ai pas dit à la baguette ensemble. On résigne, on résilience, nous résigne nous. Parce qu'il n'est pas bon même, il y a bon nos médicaments, nous ne voulons pas prendre, nous résigne nous. Et nous venons quoi? C'est seul blanc qui a sauvé nous. On grain bail pour nous faire tête ensemble. Où est-ce qu'a fait là? Il y a pas amélioré. Il y a pas amélioration. Il y a pas quelque bagarre mais gon niveau de bien-être pas jambe bail. Mais grain raison faut Amérique a fait ça la faillite là parce que comme pays qui a prôné la démocratie, les l'aide. Surtout avec changement géopolitique qui a fait là, les l'aide en pile pour nous état ça devant eux. Il n'y a pas amélioré, il n'y a pas le. Nous sale, il n'y a pas le prenons la passe, on titoile sous nous, retirer quelques poussières sur nous, mettez-nous capé. Mais réalité, nous ne pouvons pas changer, c'est une bonne volonté. Eh bien, faut tuer tout, nous n'avons pas rien volonté tout, non? Parce que, il n'y a pas fait ça, c'est nos mêmes. Il n'y a pas fait ça, c'est nos mêmes. Bah, nous, sept qui chitent en bas là, ou bien, caricone, une boule figue. Eh bien, ça qui pigrasse là encore. N'est-ce fait exprès, oh, on est ouvert à recevoir des candidats pour le poste de premier ministre. Nous, on s'est menti. Encore une fois, il faut le faire sens. Ah, gbegin nek tout nek pote bourré. Nous connaissons koné ni tab. Bon, comment tout nek tab parce que celle koné qui sorti à l'étranger, tout nek reste en Haïti. Nous connaissons koné. Blanc tab. L'en garde géopolitique, position monsieur, c'est koné. A koné yo tab prend son nom. Nous te gita kon ça c'est koné yo tab prend. Nous l'aide. C'est dans le goût encore là, ça fait garder nous. Mais on a un bail qui arrive là, tout seul ça. Nous avons intérêt, je veux dire, pour nous faire un bon bail dans le pays, parce que nous avons un côté pour nous aller. La République Dominicaine a une leçon là, mais ma passeport, visa, nous pas qu'à fond pas. Là, nous avons un choix. Quand on a un pour ça, nous avons un choix. Nous pas un choix. Nous pas un choix. Jasper a interpellé nous depuis quoi, c'est nous quelque soit à côté. Nous pas un choix, on a. On a nous courir. Prend pouvoir, nèg a fait sous sous, nèg pa dormi pour venir camper devant bureau premier ministre pour jeune poste et puis qu'on y a nous passer nous balance dans pouvoir, nous va le refond santé économique. Nous pa gon pa n'a pas fait. C'est dernière fois nèg a prend l'argent pays après le faire bagarre. Nous même nous pas caler nos mains. Y a pas retendre nous là tout. Blanc va faire toute porte sous nous là tout. Nous passer nous balance les mêmes gens. Pour nous sauver quitter le pays, nous n'avons pas de choix. Non, nous n'avons pas de mal coopérer à la gang. Nous n'avons pas de choix. Voilà. Compatriote Aïssé Frechem, vous voulez nous comprendre qui s'est passé dans ce moment-là, dans le pays d'Haïti. Il y a une série de nègres qui ont fait politique, ils ont pensé qu'ils ont un choix. Ils ont pensé, jour et jour, dire le fait que c'est le conseil présidentiel. C'est eux-mêmes qui a coupé, qui a craché, c'est eux qui a pris ensemble de décision. Yo pensé son faveur à faire la République. Et yo pas rendu compte que yo devant un fait accompli. Yo pas rendu compte que si yo pas arrivé délivrer marchandise, yo pas arrivé ba résultat,
Eh bien, c'est dernier fois supposé passer dans tête l'État et rester dans cause politique dans le pays. Comment on va l'expliquer, mon compatriote haïtien Frachem? Comment on va l'expliquer, mon conseil présidentiel transition, je ne dis pas, tout n'est pas pouvoir, non, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Et puis, pour ne pas avoir résultat, et puis pour le tachita, arrête la tonne, pour moun continuer à prendre au sérieux. Et depuis soir, Ariel Henry, compatriote haïtien Frachem, depuis soir, Ariel Henry, oui là. Depuis soir, Ariel Henry, République Dominicaine, yo krasé sacré les classes politiques, net, yo krasé image de politique en Haïti, de politicien, oui. La République Dominicaine, yo te interdit Ariel atterri dans l'aéroport, la Caillou. Yo te interdit Ariel pile sol dominicain. Ne veut dire ça veut dire, hein. Gen moun ki te seulement contenté au bat bravo, oui, fait l'obé avec et République Dominicaine pas quitter Ariel atterri, mais en nous sérieux. Son message clair te voye bay tout l'autre politicien, tout l'autre nègre, l'autre chef d'État, l'autre autorité, oui, pour yon faire la caillou, pour yon gérer la caillou. Et ces gens qui veulent la gueule, pour qui ça, ok? Pour qui ça, République Dominicaine tout collé avec nous? République Dominicaine, États-Unis pas fait le même ça, y a fait nous. Tout bagay yon son question de volonté. Nous pas gen moun qui vle faire pays la caillou nous. La kay voisin gen moun ki vle fè peyi, mais en Haïti là nou pa gen moun ki vle fè peyi. Nou gon paquet déchets piye, nou gon paquet ranse, nou gon paquet radote, nou gon paquet krazet sa. C'est ça nou gen, nou pa gen moun ka fè peyi, nou pa gen moun ka pense peyi. Il est tellement vrai, compatriote haïtien Frachem, m pral partager avec ou yon texte là. Et texte là, c'est un texte qui signé par Reginald Ulysse. Donc j'en ai gardé là ensemble avec moi texte ça déjà li annoncé très intéressant, titre li a intéressant et ça li soulevé comme grand point dans texte. Li paraît extrêmement intéressant. Nous ensemble là nous pral déposer grand god ligno, nous pral faire le point sur ça qui dit dans texte là. Nous parti. PM Konigne et ses alliances pourries. Il puait, il pue, il puera. Haïti ne se lavera point sous ce gouvernement de Gary Konigne. Friand de souillure et de salissure, le PM Konigne, qui se veut tout puissant, déclare une guerre tiède aux membres du CPT, qui sont trop crédules et trop conciliants. Pour mener cette croisade, le PM se rallie aux forces corrompues de la République, génétrices d'inculpés, de sanctionnés, de marchands de micros, de pilleurs de consulats, voire de déportés des États-Unis. Dans la première partie du texte, compatriote haïtien Frachem, et Reginald Ulysse, qui lui-même l'a signé texte, lui déclarait que Premier ministre Gary Konigne c'est un puanteur. Pas respecter autorité même non. Li dit que Haïti pas plave, Haïti pas ka propre sous gouvernement Gary Konigne. Malgré Gary Konigne, li a li vini li dit la combat corruption, mais il dit Haïti pas ka propre sous gouvernement Gary Konigne. Parce que Gary Konigne, compatriote haïtien Frachem, li entaché de souillure, Gary Konigne plein tache sous lui. Gary Konigne gon ensemble de bagay li traîné d'elle. Gary Konigne gen grain zanol ka ofev la. Là, m'a ba ou des explications. OK, m'a pe do comprendre. Le PM Gary Konigne, qui se veut tout puissant, déclare une guerre froide aux membres du CPT. Gary Konigne voulait tout pouvoir pour lui déclarer la guerre avec membres CPT. Membres CPT, il dit que membres CPT très crédule, yo conciliant, comme si membres CPT c'est bon moun yo. Li dit pour Gary Konigne qu'arrive mené croisade za mené bataille là, et bien Gary Konigne li fait alliance avec des forces corrompues de la République, li fait alliance avec mauvais gens, mauvais moun, li fait alliance avec inculpés, li fait alliance avec moun yo sanctionné, li fait alliance avec machin micro, li fait alliance avec moun ka piller consulat yo des corrompus et même moun ki moun États-Unis déporté, li dit que Premier ministre Gary Konigne fait alliance avec moun si la yo. Ce ralliement se rapporte à une philosophie qui vise à blanchir les mafieux qui ont foutu Haïti dans cette galère.
li aller plus loin pour dire que alliance ça que Gary Conny fait toute qualité moun sa yo nous sommes cité pour nous là, eh bien, c'est une alliance compatriote haïtien frères pour le blanchir des séries de monde qui mettait Haïti dans situation difficile là. Et il y allait, il prend des exemples qui flagrent. Un, média corrompu. Gary Conny recrute le marchand de micro guerrier Henry. Il fait de lui son compagnon de presse durant ce voyage de force du 29 juin à Washington. Ensuite, c'est le premier ministre qui a dû intervenir auprès de l'ambassade des États-Unis pour le renouvellement du visa de Louko Désir pour qu'il puisse participer aux obsèques de son fils. Mais non sans compromis. Aussi, Conny s'entend avec Patrick Monsignac pour renforcer la bataille médiatique contre le CPT lui offrant Conatel. Donc là, et suivant l'article là, il déclarait que premier ministre Gary Conny gen un ensemble de médias, li baye un ensemble d'avantage, c'est des séries de moun que li ta acheté, etc. Pour moun sa yo ka fait propagande pour CPT, pour moun sa yo ka baye, ka vann on image positif de gouvernement, de pouvoir en place. Deuxième exemple li prend, li parle de la mort Claude Joseph. Le PM Conny a négocié la chancellerie avec les pourris, Ticlode et Lamotte. Dominique Dupuis est le pion de ses poulains. Cette entente a illustré les renvois mi-dieu, mi-bête, aidé de la diplomatie haïtienne. Les missions de France, de Miami, de Chili, du Royaume-Uni, occupées précédemment par les gens nommés par Ticlode, sont remplacées par de nouveaux membres d'aidé. Coup de théâtre. Quant au pourri, Laurent Lamotte, il vise à utiliser la marionnette Dominique pour négocier directement son retour aux États-Unis par le biais de Brian Nichols. N'a-t-on pas vu une photo des deux dans un avion en route pour le Paraguay en copinage? Non, pas aussi ça, il y a de graves accusations qui fait côté que. Et Reginald Ulysse lui-même lui dit, yon entente la mort Claude Joseph qui fait par le biais de premier ministre Gary Conny et à travers également ministre affaires étrangères Dominique Dupuis côté ça qui a passé dans diplomatie hein? Malgré nous acharnement que ministre affaires étrangères li mette dans diplomatie pour le changer des séries de monde qui impliqué dans toute zak corruption dans toute mauvaise affaire et bien pour citoyens ça li déclarer que c'est retirer corps pour mettre pam qui a fait dans l'administration publique là et non sans ça premier ministre Gary Conny li vin baptisé yon démarche mafieux yon démarche corrompu qui a fait côté c'est toujours même acteur yo même moun yo même catégorie moun yo qui kembe pays en otage. Troisième exemple li prend Sweet Mickey. Avec Sweet Mickey, Conny a négocié la direction générale et les mairies. D'où le but du voyage à Washington pour exhiber ses muscles renforcés par le biais par le blanc afin d'intimider les membres du CTP. D'ailleurs, c'est Mickey qui a imposé Nesmi Maniga, le dilapidateur des fonds FNU. Conny est à surveiller. Ses marchandages sont à rejeter. Les alliances nauséeuses avec les mafieux Nesmi Maniga, Laurent Lamotte, Patrick Monsignac, Ticlode et les marchands de micro et disent tout. Reginald Ulysse et en bas limité email. Compatriote Aïssé Frechem, genre de texte accusateur sa yo, yo permet pour nous poser un ensemble de questions. Et te déjà gen pile moun qui paraît on ti jan très douteux par rapport avec ça qui a passé et nan pouvoir Gary Conny là genre de texte sa yo logen yo devant yo fort yo pour so poser question yo pour so réfléchir pour aller au-delà de ça ou te ka wè avec deux yeux mais pour faire cerveau travail pour faire matière grise qui en dans tête toi pour le travail pour le fonctionner. Premier ministre Gary Conny li allé États-Unis li allé Washington. Et c'est ça, et c'est là tout m'vle, gyo bagay ki rele tolérance pour nous appliquer là. Ça c'est coup de plume Reginald Ulysse, li écrit texte li, li partager opinion, ça c'est opinion. Ou ka d'accord ou ka pas d'accord.
Mais ça qui est certain, c'est que journée aujourd'hui, un compatriote haïtien frère Chum, j'en paye en pralé là. Avant même que Gary Conny te arrive comme premier ministre de notre pays, nous te guettons à faire ensemble d'analyse sous alliance qui fait dans le conseil présidentiel transition. Pas quoi tout mal le pays pour le moment, c'est sous Gary Conny qui prend le tomber. Ça, non jamais, au grand jamais. Faut qu'on moun ta méchant, on ne peut plus dépasser pour nous prendre tout mal pays en un moment là. Nous sommes capables de passer là pour nous déposer sous le Gary Conny. Gary Conny, il a traîné le malheur de elle. Gary Conny, il a traîné le connivence avec blanc, c'est job blanc, c'est travail blanc, c'est agenda blanc, c'est mission blanc, l'a exécuté. Mais en nous sérieux, compatriotes haïtiens fraîchement. Depuis notre constitution, depuis notre création, depuis notre mise en place conseil présidentiel transition, nous te guettons ouais son bonne mafia. C'est pas kounye à notre gouvernement pour nous parler de mafia qui occupe l'État. Ça non, moi même pas d'accord comme ça. Depuis notre formation conseil présidentiel transition, tout le monde sait qui fait partie de conseil présidentiel transition. Structure politique ça qui voye membre dans conseil présidentiel transition n'a pas entendu nous son grand bagaille si nèg yo journée jodi yo choisi entendre yo pas entendre pour intérêt Haïti yo entendre parce que chaque monde te ta connait si yo choisi tout bon entre yo mettez CPT à camper et bien chaque structure politique ça va pral bénéficier en bagaille m'pa connait Reginald Ulysse qui balance politique li, qui clan politique li, qui appartenance politique li, mais nous senti li penché plus. Vous comprenez, li penché plus vers CTPA, li plus semble un monde qui a protégé CPTA que tout l'autre bagaille. Alors que, au départ, conseil présidentiel transition, formation, création, mise en place, ils sont véritables dérives, sont catastrophes naturelles, sont catastrophes politiques. Son route liée pour nation, pour qui ça? Parce que on prend paquet acteurs haïtiens qui a chita avec international, qui a chita avec blanc, qui a négocié pouvoir lorsque si pour yon froyote dit entre eux, ok, nous chita ensemble, les grands partis politiques, grands structures politiques, yo, n'a mette idéologie nous ensemble, n'a gade ça qui a fait pour Haïti sans blanc, ok. Et c'est ça qui fait un pile moun te bat bravo pour démarche, Moïse Jean-Charles Claude Joseph avec Guy Philippe Lan. Parce que l'ESA yote wè se yon démarche haïtien de. C'était haïtien qui t'a fait toute initiative yo, qui t'a pris initiative yo. Mais automatiquement, konze yo vire yo font coup de guidon hip, yo allé jouen CARICOM, yo allé jouen international lan, ou vina pose tête ou question. Si proverbe créole, ti dicton dou chaque moun gon gren zan ou ka ofev lan, c'est qui ça ofev za rale? C'est qui ça international rale? Et pour nexa yo, pour la madwe yo, pour la pate yo, pour la tire yo, vin nan filel pour le mettre en dedans conseil présidentiel transition. Donc, depuis à la base, compatriote Haïtien Frèchèm, depuis à la base, si n'a parlé de alliance pourri, c'est pas premier ministre Gary Conny seulement qui font alliance pourri, mais c'est depuis à la base de conseil présidentiel transition, alliance pourri en fait. Moi-même, approche moi c'est pas pour me défendre Gary Conny. M'pa vinn défendre premier ministre Gary Conny, m'pa avocat Gary Conny, m'pa porte-parole Gary Conny. Mais nous là pour nous dou bagay lan jan liye a. Kounye a si n'ap gade véritablement comment premier ministre Gary Conny li vinn mené bak payan. Là nous gen l'autre bagay nous ka di. Et qui ça nous ka di? Nan fal sa compatriote Haïtien Frèchèm. Gen de seri de moun ki a tiré a boule rouge sou Gary Conny. Bien que Gary Conny li poko fè rien, la nan sa ki grand chantier te promet peyi al promet pèp ayisyen pral soulaje yo, non? D'ailleurs nou deja wè nan kesyon sekirite a comment bagay yo a pase. Gen de seri de moun ki gon dan kont Gary Conny, li e pa pou lòt bagay, se pou kesyon jan gato a separe. M'pral déjà dit nous un bagage qui clair qui c'est. Conseil présidentiel transition journée jodi an, yo face avec propre destin, yo réalité a nan men yo. Réalité a nan men yo, mais yo pa ka appréhender pour qui ça? Monsieur dame yo nan conseil présidentiel là, yo rentré tête yo nan bagage, peut-être yo dit yo t'a pral contrôler mais yo rete yo ou perdu contrôle là. Mais on nous sérieux avec tête nous. Le conseil présidentiel transition te dit yo pral mette kanpe gouvernement. Conseil présidentiel la yo dit pou moun vin déposer
et dossier pour premier ministre. Mais on nous sérieux, on nous honnête avec nos compatriotes ici, franchement. Comme si nèg yo pas connaissez ce gars qui est le premier ministre. Tellement nèg yo te gen connaît ce gars qui est le premier ministre. Yo te gen imposé conseil présidentiel dans choix premier ministre Garry Conille. Li simple. Gen un ensemble de décisions que CTPA te prend, conseil CPTA te prend. Décision ça le fait que Garry Conille li pas ka la physiquement, yo obligé faire moun ki ka vini assister et avec moun ki ka vini participer dans interview là en présentiel ou vini sou pa ka faire en présentiel ou faire par Zoom juste pour yo te ka satisfaire Garry Conille. Mais suivant critère yo compatriote haïtien franchement depuis à la base si pas de entente si pas de alliance qui t'est faite Garry Conille yo t'ap exclu parce que ou pas là en présentiel réalité moment pas de connelle depuis à la base. Si gon alliance pourri qui t'est ka fait encore, c'est moun qui mette CPT à camper à moun qui t'est imposé CPT à présence Garry Conille comme premier ministre. Aussi simple que ça. Mais quand il y a le Garry Conille vient mettre et gouvernement le camper. Et bien Garry Conille lui-même malgré tout ce qu'a dit compatriote haïtien frèchem, si gagne bagaille qui mal passé, c'est lui qui a pote chay là. Si gen bagay ki mal passé, responsabilité a se sou do, le chay la se sou do li. Donc, est-ce que Garry Conille nan moun li mette avèl nan gouvernement, nan moun li mette avèl nan pouvoir, Garry Conille li prend des décisions, li pa ta supposé prendre? Oui, effectivement. L'autre chef cabinet ou mette l comme Nesmi Maniga. Nesmi Maniga, on moun même syndicat en dedans ministère éducation nationale bat chal barre d'elle matin midi soir après le corrompu yo mette de graves accusations sous dol dans dossier FNE ULCC a enquêté ça pas empêché malgré le pas de résultat l'école tipa ou prend li sorti comme ministre éducation nationale en transition avec Ariel Henry pendant plus que 30 mois et pour prendre le mettre comme chef cabinet ou. Là, ça a déjà poussé en pile le monde réfléchi. Même le Garry Conille, comme premier ministre, l'a dit la combat corruption, et pour prendre des présumés corrompus, ou mettre en bazel, ou mettre dans le dos, dans l'équipe. Ça veut dire. Donc là, à partir de ça, n'a pas constaté, ça n'a pas gardé à Denawe, nous avons dit oui, là, non. Garry Conille commence à voir votre premier ministre commence et prend des dispositions qui contraire avec Saldi le pral faire avec Saldi li paré pour le faire combat la mener contre corruption tout ça. Donc là nous ka accepter gagne des alliances qui faites gagne des postes qui baillent et baillent zanmi taille c'est bagaille acolyte c'est bagaille politique etc. Mais depuis sous Martelly nous connaît Nesmi Maniga, ancien ministre éducation nationale depuis sous Martelly, relation proximité le gain avec équipe tête Kalea. Est-ce que choix Nesmi Maniga, c'est volonté Martelly, c'est Martelly qui impose, c'est Martelly qui bal job là? Relation Martelly avec premier ministre Garry Conille journée aujourd'hui, c'est qui ça lié, c'est comment la évoluer? C'est toute question ça pour nous poser tout d'abord. Mais n'empêche que compatriote haïtien frèchem, si n'a pas considéré question la mort Claude Joseph, question consulat diplomatie etc. Nous gagnons ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis quand elle t'a demandé ULCC pour ULCC enquêter sous mission diplomatique sous plusieurs missions diplomatiques et n'a parlé de consulat yo ambassade etc. côté et qui te gagne soupçon corruption, eh bien, démarche à poursuivre, puisque là, nous gagne directeur ULCCA, qui mande ministre affaires étrangères, gagne 5 qualités documents, gagne 5 groupes documents, yon besoin là, pour le fournir. Yon a besoin manuel de procédure administrative et financière et ministère affaires étrangères,
Il y a besoin cadre légal et organigramme ministère affaires étrangères là pour voir est-ce que nomination moun yo bien faite. Il y a besoin et question tarif salaire comme moun yo touché dans représentation diplomatique yo pour voir est-ce que pas gain surfacturation, est-ce que pas gain coût battable coût mal taillé qui fait. Il y a besoin liste personnel qui dans représentation diplomatique yo et ensemble de consul, délégué etc. Il y a besoin tout moun sa yo pour connaître est-ce que pas gain surplus, est-ce que pas gain coincé moun mette mon administration et dans diplomatie qui fait et il y a besoin rapport et sous toute représentation diplomatique yo service centraux yo service déconcentré yo dans ministère affaires étrangères donc tout document ça yo compatriote haïtien frèchem ministre affaires étrangères là Dominique Dupuy pral gagner pour le bail mais le nouveau ministre il a fait tout schéma ça il a fait toute disposition ça est-ce que même le on moun ou pas ta remet ou ta gen parti pour ou ta gen clan pa ou ta gen groupe moun pour ap défendre mais honnêtement nous pas quand on prend effort travail sacrifice son moun pour nous gen tandi c'est clan politique pas c'est retirer moun mettre l'autre etc. non non faut qu'on moins nous tonne pour nous garder qui ça ça pral bay même Jean ministre vini il mande ULCC pour ULCC enquêter li mande ULCC pour ULCC chercher fouiller zone en Kalalou pour moun ka participer dans corruption au moins bayon ti temps passé pour nous qui ça rapport ULCC a pralié qui est ce groupe moun qui pral toucher par rapport ça et qui décision qui pral prendre contre même mais puisque moun yo gen des séries de petits camps des séries de moun yo a chercher défendre chercher protéger bagay yo toujours fait à contresens. Yo toujours politisé, yo toujours ap chercher et faire bagaille yo tourner des décisions partisanes etc. qui prend li pa fè sens pour bien-être paysan, pour avancement paysan, nous pas ka arrêter comme ça, nous pas ka continuer comme ça. Bien, compatriotes haïtiens frères chums, et n'avancer. Bien, compatriotes haïtiens frères chums, et n'avancer. Nous gen arabe blanc qui lui-même et arabe blanc pas connait ça qui a passé moi arabe blanc fin détérioré net arabe blanc fin déraillé net et arabe blanc gon vidéo là gen là côté li gen message à voyer pour femme haïtienne yo et quel rapport non pas connait mais on va regarder attendez ensemble avec moi et qui ça et arabe blanc lui-même il te gagné pour dire pas coucher avec diable pas prendre Ebola. Femme haïtienne yo m'di nou pas coucher avec Kenyan yo pou n'pa pran diare. Peuple haïtien m'di nou pas coucher avec Kenyan yo pou n'pa pran sida. Peuple haïtien yo m'di nou pas coucher avec Kenyan yo pou n'pa pran choléra. Peuple haïtien m'di nou pas coucher avec Kenyan yo pou n'pa pran Ebola. Ebola nou konnen nèg sa c'est dans pays yo qui gen maladie Ebola. Mais jodi a nous devons micro la presse pour nous venir parler avec femme haïtienne surtout parce que politique traditionnelle yo fait vie y a gangsterisé pays là yo fait vie acheter munition acheter zam voyer dans quartier populaire pour craser quartier populaire yo mais jodi a mission yo c'était voyer une équipe étranger une équipe val pas pays yo gagne sécurité pays yo gagne napine toute la sainte journée y a prélé la fin en mais jodi a là c'est yo vinn bon sécurité pour qui ça parce que cérémonie dibois caïman m'pa jam songe m'pa jam blier chanter ça qui dit que boukmano nan bois caïman nous non mais non nous pas détourner on en bois caïman papa boukmano nous est assez. Papa Boukmano, nous y venons de bouton au pays à diviser la famille d'Ozado. Nous pas de fait, Bois Caïman, servir étranger. Ah, mais je dis à Sémandi Bois Caïman, fait. N'est-ce que ça vous fait Sémandi Bois Caïman, nous, fait pour Ebola, pour choléra, pour diarrhée, pour sida. Parce que pile femme haïtienne, nous connaissons les diaspora. Y'a pas pour mettre l'aide là, non? Mais si y'a qui malait, y'a couché avec. Bet serré Samuel là yo ou t'es connait c'est petit cochon yo pas le calé et c'est si m'a prendre petit paysan yo ve petit cabrit nous parce que voler ça on va voler petit cabrit nous pour manger ve petit bœuf nous ve petit chien nous parce que même chien avec ça au coché jodi a bataille arabe là m'a gardé pour moi est-ce que nèg ça yo c'est sécurité à venir mettre dans pays à tout bon vrai parce que pas oublier
Américain qui derrière force là, c'est lui qui mettait insécurité là. Canada qui derrière force là, c'est lui qui mettait insécurité là. La France qui mettait insécurité là, qu'on a c'est même encore, qu'elle cherche Kenyan pour nous. Où est-ce qu'on fait? Il n'a pas cherché blanche pour venir faire arbitrer. Il a cherché noir pareil nous. Pour venir maspiner nous. Pour venir faire génocide. On grand bagay m'a dit, monsieur Ghetto. On connaît que mission n'est pas venu tout nous. On connaît que mission pour lever cette tête là, c'est venu tout nous. Mais on grand bagay avant nous mourir. Cherchez les gens qui te battent nos âmes, mes amis. Cherchez les gens qui te battent nos âmes, non. Parce que je dis, nous arrivons dans un moment. C'est nous-mêmes qui prenons les victimes. C'est petit sorette qui prenons mourir. Parce que est-ce que pas jeune nègre exam vraiment pour le camper en face Kenya? Est-ce que pas jeune nègre exam vrai qui prenons le camper faire échange cartouches avec Kenya? Nègre te dit yo prêt pour remettre exam. Même penser haïtien te ka mettre tout ensemble l'état haïtien si tu gagne l'état, yo le premier bagage t'a fait c'est acheter matériel by la police nationale bien équipé l'armée bien équipé BESAP là, BESAP que nous connaît non 1000 magistrat Pétionville là, qu'est-ce que normal? Tu as assassiné 7 Bessap pour nous, de nos jours, pas jamais de justice pour Bessap. Yo! Ah, mais je dis, si vous avez fait un bagage, je pense que c'est renforcer la sécurité, dans quelle façon, c'est acheter matériel par la police, c'est acheter et matériel par l'armée. Ah, mais c'est pas ça que vous fait, il a cherché une série de nègres qui ont sida, qui ont ebola, qui ont choléra. Vine ba informa haïtienne parce qu'on est informa haïtienne mais ça très les étrangers yo va le coucher yo va le tomber faire ti macaque ti cochon tout parce que nèg ça mwen vinn la yo pas de différence avec cochon nous les m'a regarder yo je dis c'est nèg ça yo qui pral bay sécurité côté la caillou y a fait kidnapping y a fait génocide y a fait cadejac y a fait tout des bagages yo pral faire cadejac sous cochon sous chien sous ça yo joine yo pral faire cadejac je dis a arabe par contre force qui rentre dans pays mais yon seul bagage en rete tan pour nous. Parce que je prie pour l'État pays nous. Te font façon pour bien équiper la police, bien équiper l'armée, bien équiper BESAP pour te mettre sécurité dans le pays. Et pas ça vous fait. Yo préfère chercher un paquet de voyous, un paquet de chien, venir là, venir faire duke, yo va venir mettre la paix. Tandis que dans le pays, quand ça fait chaque jour, il y a fait des choukailles, il y a vol à faire moun, tout bagay, kade, chaque tout vieux bagay y a fait dans le pays. Pour nous, c'est yo qui vient mettre la paix dans le pays. Pour un grand bagay, si monsieur Ghetto. C'est frère nous qui parlons avec nous. Qu'on dit, toujours qu'on dit, moi frère nous m'a toujours été frère nous. Monsieur, on garde pour nous. Pour ne pas gagner génocide qui fait. Si nous demandons nous, désarmement, on fait en catimini. On fait désarmement en tant que frère nous et mes pays nous. Mais pas à battre pour génocide fait. Pour ne pas gagner dommages collatéraux qui fait. Parce que je dis, qui est-ce qui a subi? Petite sorette là, parce que malheureuse qui est dans le ghetto là. C'est là qu'il y a une chambre pour $500 pour 6 mois. C'est là qu'il y a une chambre pour $1,000 pour 1 an. Il n'y a jamais quitté le ghetto là. Mais je dis, est-ce qu'il y a dit tout le monde qui. Pas couché avec Kenya. Et voilà. Compatriotes ici, frères et sœurs, nous sommes tendés et Arabe Blanc qui lui-même. L'étape déposée, l'étape parlée, au paquet de paroles là et. Nous tendons des lits, comment le traiter policier kenyan yo de tous les noms, le bail de toute qualité. Moi-même, je suis un bagay. Je suis un bagay qui est important pour moi. Et je ne dis pas là, moi, j'ai un paquet haïtien qui prend plaisir, banaliser, minimiser, humilier, rabaisser et. Policiers kenyan yo le simple fait que yo kite kenyan yo vini la yo vini fè travay yo vini fè job yo paye yo pour ça et oui nous pas vle nous pas espérer nous pas souhaiter que force étranger puis les sol noir rentre dans pays nous vini violer souveraineté pays nous mais c'est là nouye. Donc pas quoi nous besoin en pile nan nous besoin baisser aussi bas que ça descendre si bas que ça pour nous rentrer dans faire personne bon. Hier soir, m'ta fait une petite discussion avec un ami. Bon, véritablement, j'ai ami en dit là, ils sont fait accomplir. Bon, qui ça qui dit nous même haïtiens nous supérieurs avec kenyan yo? Qui ça qui dit? Sou qui ça arabe la basé pour dire que et kenyan yo son paquet de chiens, son paquet de cochons et femme bral prend yo, yo bral fait petit. Sou qui ça le basé pour dire nous même haïtiens nous supérieurs à kenyan yo? Ou bien pas qu'on est canadien américain supérieur à kenyan parce que moi nous
En pile nan nous gon perception raciste de réalité a. Depuis y a parlé de Kenya, c'est toujours prend forme figure, c'est toujours prend tête yo, prend couleur yo, yo noir yo ceci. Mais pas oublier l'on regarder Kenya yo plus semblé nous que tout l'autre monde. Journée jodi on m'a regarder nan ki niveau paquet haïtien tomber nan ki niveau nous descend ba juste parce que nous pas d'accord, nous pas vle en bagaille. Mais pour nous montrer nous pas vle c'est dans dénigrer moun. Chita dénigrer moun, poste dénigrer moun, bon bagaille qui pral changer dans sa n'a vie journée jodi a. On merde pas changer. N'a bouke dénigrer Kenya yo, m'm dou ça va passer. Kenya ça yo t'a touché $169 américains. Comme salaire mensuel chaque mois, eh bien, yon vini là. Pendant nous pas organiser nous-mêmes, pour nous mettre campé, on bon politique dans le pays, nous, pour nous suspendre la politique sale, senti la boue senti, politique corruption, politique dénigrement ça, politique côté que, et c'est cassé feuille couvrir ça, côté que nous pas jamais prendre moun qui va la mettre dans le pays, ça nous gagne, yon toujours organisé avec étrangers, pour yon faire exactement ça blanc mandé yon. Et puis après, qui ça a privé? Kenyan ça a toujours vini là, il a toujours organisé, puis il a fait étranger vini. Là, il a vini, il a vini toujours $500 américains, $1,000 américains, $1,500 américains. Alors que policiers nous, nous même, policiers nous, yon pas même qu'à toucher, yon pas même qu'à manger, pas même qu'à côté pour yon rete. Des séries de nèg qui t'a touché $169 la kayo dans le pays, et puis qui a vini toucher $1,000, $1,500 américains. Nous pensons c'est dénigré ou à qu'a fait ou pas fait comme blanc, c'est dénigré ou à pas fait qui a empêché ou fait ça ou vient fait ça ou ba ou comme mission pour fait non. Donc jodi on veut au moins pour nous commencer lever niveau a. Nous pas d'accord avec Kenya, nous pas d'accord avec Kenya, mais respecter dignité moun. Li a peu importe pour arabe la commencer respecter dignité moun parce que arabe gen moun kap tande, gen moun ki remet tande, gen moun kap gade l. Donc l'on vini, on vini, on pareil, sotis, ça nan figi moun, traite moun nan de chien, de cochon, etc. Comment on vle en retour yon traite ou? Comment on vle moun kap gado ki pare moun l'autre? Ouais, j'on pare mè Kenya, pare mè moun zawab denigre, gen moun ki pare moun tout, gen moun ki pare mèm tout, gen moun ki pare mè l'autre moun tout, on comprenne? Donc nous pas obligé tomber nou niveau ki ba non basses comme ça. Parce que même ça va faire mon nom, journée jodi a gon karma, on comprend gon karma, karma la pratrapo, la clashe nan figi ou bao, sans attendre. Donc journée jodi on pense et au lieu nous prendre temps nous banaliser tout bagay qui important qui mérite pour nous faire et des discussions en profondeur pour nous poser problème yo, prendre temps nous faire bagay qui beaucoup plus important qui on comprend qui capote en solution, qui capote en changement pour pays. Vous comprenez parce que ça, tout ça, je ne vais pas passer, même venir avec lui, nous bien déterminé pour faire un petit rappel ça pour nous. Nous chita prenons temps, nous banaliser tout bagay, rincer avec tout bagay, vous comprenez? Et chercher humilier, moun, rabaisser moun, faire tête nous passer pour plus bon, et l'on regarde après, l'on regarde au fil du temps, ouais, tout ça t'a dit aux séances, moun nous t'a banalisé à la faire route, li, et puis nous même n'a pas stylé dans le monde de la camionnette là. Donc, il est extrêmement important pour nous, on a parlé de dossier Kenya, poser vrai problème yo. Poser premier ministre Gary Conille bonne question, vrai problème, non c'est eux même pour nous poser. Mais c'est pas gaspiller temps nous et gaspiller énergie nous dans bagaille qui pas utile. Avle dit là, tellement mesdames haïtiennes yo pas bon ça. C'est ouais, j'arabe là pas respecter femme yo. En tout cas. Compatriotes haïtiens frères chum, nous gen Magali habitant là, Magali habitant et qui mettait pied la terre et madame za qui pas capable là tout gouvernement tout pouvoir monter toute administration monter c'est lui donc on va suivre ensemble avec moi qui ça cap passer avec Magali habitant gouvernement cap faire CP avec gouvernement pour que tout le monde pour CP ca venir dans fonction yo pour ministère ca retourner fonctionner parce que PM Gary Conille avec CPA c'est la paix au vin mettre. Yo vle un changement pour peuple la rale mieux pour tout le monde, pas qu'il y a occupation. C'est celle ça. Après, bon parler qui c'est qui va la bien. Non, tout côté, dans le pays, c'est propre. Pas bon petit côté, exactement ça, ici, c'est tout dans le pays que le gouvernement avec CPA met pied à terre pour clean pays. Magali, c'est un peu comme ça. Je vais vous faire une visite de Matisse en tout. Yo. Merci, bonsoir, bonjour avec mon qui attend des gens, mon qui va regarder nous. Sans plaisir pour moi, je dis à la. Sans plaisir pour moi, pour me déplacer. Voilà, on a fait caca.
Dans le secteur privé, qui va nous supporter pour nous louer matériel, tout, carburant pour nous faire le travail que je dis à réaliser. Parce que je dis à PM, le gouvernement PM Gary Conillon avec CPA, tout ça que besoin faire, c'est pour nous mettre, pour nous retourner à Haïti, que nous aimons en pile là. Jean Théa, pour Port-au-Prince, pour Machanio, retourner en bas la ville. Côté malheureux, malheureuse, qu'on a cherché la vie. Petite soyette, puis on te mette petite à l'école. C'est ça que fait jodi à moi-même, en tant que petite soyette, qui sorti dans ce ghetto, qui sorti dans Zantra ghetto, comme mon petite soyette. Maman m'a dit en pile, avec quatre petites, jodi à pour nous s'annouiller. Moi-même, son plaisir pour moi, chaque lè, moi, mette pied à terre pour ma travail pour le pays, pour ma travail pour le peuple, parce que moi, mais Haïti en pile. Même les grands pile diversion contre moi-même, ce n'est pas ça qui fait me faiblir. Ce n'est pas ça qui fait me battre. Je vais toujours avancer parce que je n'ai pas l'autre pays de l'échange. Mon seul pays que j'ai, c'est Haïti. Je dis PM Gary Conillon, ACPA, dégagez-nous pour nous mettre sécurité dans le pays. Dégagez-nous pour nous faire dialogue national parce que le pays a besoin de dialogue. Sans dialogue, nous ne pouvons pas priver de pièces. Demandez de l'aviation, vous allez nous parler, oui. Nous priver de tous côtés parce que. L'État n'a pas de limite. Je dis à moi, même les gens qui sont dans le ghetto, yo. Même monsieur qui vient de Sam, ils ont remis tout pour le ghetto yo clean. Ils ont remis tout pour tout côté clean, pour nous protéger le pays. Parce que nous tous, ces Haïtiens, il faut Haïti aller en souffle. Merci. Voilà. Les amis internautes, là, actuellement, là, nous trouvons nous et bon palais national. Côté que nous constatons qu'il y a un travail qui a fait là. Et côté que CNE lui-même débarqué là à Bon Palais pour les capables de vivre. Voilà les amis internautes. Et là actuellement là, nous trouvons directement Bon Palais National. Et dans l'axe Mipana et Palais National là. Côté que tu as un paquet de fatras là. Et là actuellement nous sommes Magali habitant lui-même qui était présent. Et dans l'espace là accompagné avec plusieurs camions, plusieurs loaders pour capable venir ramasser fatra ça et continuer dans la même démarche, nettoyer la rue Port-au-Prince. Et là actuellement capable garder et machine même qui a travaillé là à ramasser fatra et pour capable propter bon palais normalement. Nous même nous sommes présents sur place, nous sommes venus pour nous capable faire vivre comment et situation nous même liée. Côté depuis plusieurs temps là dans stock fatra là Bon Palais et que je disais nous pas connaît vraiment et selon information que Magali habite lui-même liban nous c'est que et c'est ensemble avec et conseil présidentiel là gouvernement actuel là avec qui gagne en tête le premier ministre Gary Conillon et tout et qui prend initiative ça pour capable permettre que et la rue Port-au-Prince les nettoyer normalement et là nous capable garder. Voilà. Ces gens qui ont gardé les amis de nous. C'est nettoyage qui a fait la Bon Palais National côté que plusieurs camions débarqués. Et qui a Madame Magali dans la tête d'une équipe qui arrivait sur place pour capable et continuer avec le processus de nettoyage dans la Port-au-Prince côté que l'IFE nous connaît. Et la mairie Port-au-Prince mélangée ensemble avec CNU, SNGRS. Et qui peut mettre tête ensemble pour capable continuer à nettoyer la rue Port-au-Prince. Et là, actuellement, là, c'est Bon Palais et qui a nettoyé là pour capable retirer le fatra qui était stocké depuis plusieurs mois là. Et nous-mêmes, nous sommes déplacés pour nous capables de vivre comment ça y est et dans la rue Port-au-Prince. Voilà, compatriotes haïtiens, frères et sœurs. Son Port-au-Prince pile fatra, fatra monte 17 octobre, pas dit, et c'est là, et des changements, on a regardé Bon Palais, paquet de fatra qui a ramassé. C'est une très bonne initiative qui prend pour ramasser fatra. Mais nous connaissons, Magali habitant, lui-même, madame, ça, c'est pas capable là.
Et depuis chaque gouvernement monté, n'importe gouvernement monté là pour le bas au champ. Et son petit madame qui impliqué non pas quatre scandales. Depuis ce côté qui gen gang ou toujours tande dans la cité. Te gen mercenek te vini et sous Jovenel Moïse à l'époque c'était premier ministre Jean Risseyan et Magali Habitant te mette machine disponible. Gon paquet l'autre dossier encore Magali Habitant. Bon dernier dossier c'est dossier et Jean Bernard le Magali Habitant te courir dans Pétionville et nous ouais et sous gouvernement si là qui là Magali Habitant prend initiative li dans Badelma li tout partout la ramasser fatra donc c'est quand même à féliciter parce que nous besoin initiative ça yo nous besoin et engagement ça yo par bon côté autorité l'état yo par bon côté CNE par bon côté mairie yo pour yo clean pays pour yo mettre l'autre visage en l'autre image de Port-au-Prince donc Magali Habitant, nous pas connait qui contrôle gen nan men. Mais et fait travail ou fait ouverture, créer filière pour fatra yo ramasser dans Port-au-Prince parce que image pas bon. Compatriote haïtien frère Chum, et c'est là n'a mette un bout dans l'émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour nous te porter information sur la pour. Restez connecté à channel là pour reste programmation. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo. Et merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paula pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.